Là, normalement, ouais, c'est là. Des vidéos conseillées. Ouais, ouais. Et des fois, tu tombes. Des fois, tu te perds. Tu regardes un peu des vidéos, tu vois. Des trucs qui sont pas. Enterré vivant depuis 3 jours, un homme de 62 ans secouru par miracle. Bon, bah, ça, par exemple, non. Impossible à battre, ça, tu vois, je clique, moi. Ouais, des trucs comme ça. J'aime bien les trucs. Qui gagne entre Sazu et URL. ça. De Dux Conta. Ça, de Dux. Dux Conta. Et pas n'importe qui, tu vois. Salut, c'est Patrick de Dux. Le bêtisier des petites annonces. Ah putain, tu tombes dessus des fois, c'est quand même exceptionnel. Le bêtisier des petites annonces, c'est vrai que c'est le problème. Sur TikTok à chaque fois. En fait, le bêtisier des petites annonces, c'est plus drôle. Plus drôle que les petites annonces. Ouais, en fait, à l'époque, les petites annonces, c'était très drôle. Après, c'est un peu vieilli, mais... Non, mais le bêtisier des petites annonces, c'est plus drôle que le bêtisier. Ah, c'est exceptionnel. Il est pas pris. Il est où, Michel? Chien. Putain, mais on n'aura jamais pensé une journée. Je propose à cette vieille fiotte de tison de venir combattre mon poulain, hein. Attention, hein. Tu le sais. Mais il est gringalé, hein, quand même. Bah oui. Ah, c'est le pèse. Edouard, que faites-vous? J'arrive, mon amour. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Verge. Jean-Marie Verge. Ouais, c'est Jean-Pierre Testic. Bonjour, je suis Jean-Louis Connard. Salut, je m'appelle Jean-Marie Verge. Bonjour. Salut. Et ben bonjour. Moi c'est Monsieur Patel. C'était pour du rire. Bonjour, c'est Mercedes et Jamine. C'est vraiment le personnage naze. Le personnage de merde. Bonjour les hommes. C'est pas ça. Ils avaient ces déguisements quand même. Je te cherchais, toi. Hein? Non, bah tu sais bien, Liliane, c'était pour ma collection de timbres. Qu'est-ce que c'est que ça, Malek, que t'as jamais aimé la philosophie? Ben non, mais... Bonjour, je suis Jean-Louis Papier. Dans le cul. Oui, bonjour, je suis Jean-Marie Crépon. Dans le cul. Bonjour, je suis Jean-Pierre Kraft. Guillette, 50 000 francs. Bonjour, je suis Jean-Marie Crépon. Nogui. Bonjour, je... C'était pour dire... Bonjour, je suis Jean-Pierre Kraft. Guillette, 50 000 Français sont malheureusement atteints. Bonjour, je suis Jean-Pierre Kraft. Guillette, 50 000 Français. Bonjour, je suis Jean-Marie Crépon. Bonjour, je suis Jean-Pierre Kraft. Kikette, 50 000 Français. Je suis le grand Bana. Je vais vous banaliser. C'est quoi ce sketch? Bonjour, c'est Mercedes et Janine. C'est un message qui s'adresse aux hommes. Bonjour les hommes. Tu peux attendre que j'ai fini de rire. Bonjour les... Attends, tu le fais long comme ça? Je sais pas. Je suis le mage Henri. La tique. Je suis le mage Henri. Moi, je suis Tintin. Oh là. Oh là 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 là. T'as un peu dit. J'avais oublié celui-là. Matgei. Aïe 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 aïe. Attends, mais t'imagines, nous on fait une vieille scène d'audition. On n'en peut plus. Non mais eux, mec, c'est la divette. Attends, mais... L'addition? L'addition, messieurs? C'est pour moi ça. Non, 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 Bertrand. C'est pour moi, c'est pour moi. Attends. Alors, combien on doit? Oula. Vous faites-le toi, quoi. Hein? Tu me la ferais pas un coup? Non, je peux pas, là, je peux pas après ça, c'est... C'est impossible de passer après ça. Que dire avec des mots justes, simples, quel point cette soirée? Ah, peut-être que tu pourrais nous le dire en Taz, peut-être que la soirée était tellement bien. Qu'est-ce que dirait Taz de cette soirée? Ah oui, mais il parle pas. Mais non. Ah, il fait que des bruits. Oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça que je fais ça. Bah, j'ai pas souvenir qu'il parle. Non. C'est, il parle, t'as? Non, il parle pas. Il parle, t'es. Il parle. Non, non, il parle pas, je crois. T'es, mais t'es trop fort. Attends, ah. Mais j'ai juste envie de voir Taz qui parle, en fait, pour voir si t'es vraiment chaud ou si. Non, mais moi le problème, c'est que je connais pas. Ah, il parle. Mais c'est Taz Sounds, là, c'est pas. Il parle pas. Ah, il est génial! Ah, j'ai oublié comme c'est génial! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai oublié comme c'est génial! C'est diabolique! C'est le même! J'avais oublié!
Attends, attends, remets d'autres sons. On arrive sur l'inconnu de la bourse. Pardon, la teuté. C'est quoi la teuté? Quel est ce savant natif? Oui, savant de Marseille. Mais vous êtes ouf. Mario, les gars. Oui, c'est ça, c'est des ouf. C'est des ouf, c'est des ouf. Connaît-il top l'activité qui vous détend le plus? Oui, l'orthodontiste. Orthodontiste, j'ai répondu. Chez les jeunes, que signifient les trois lettres JPP? Jean-Pierre Papin? Oula! Non, j'en veux plus! Montage, c'est un peu montage! Oula là! Premier instrument dont vous ayez appris à jouer? Oui. Vite! Mitraillette, vite. Mitraillette! Stop! La mitraillette! Vite, vite, mitraillette! Vite, vite, mitraillette! Compas! Premier instrument, mitraillette, mitraillette! Oh, Tex, Tex, c'est fini ça! Mais les montages, ils sont! Attention! Ah, les montages, ils sont démoniaques. Oui, j'écoute Dolores. Pépin Lebrel. J'ai dit que l'homme est con. L'actrice à laquelle vous aimeriez ressembler? Oui. Cotillard, Raymond Cotillard. Mario Cotillard. C'est ça la miniature! Raymond Cotillard! À laquelle vous aimeriez ressembler? Oui. Cotillard, Raymond Cotillard. C'est les diaboliques, les montages. Ah, ils sont diaboliques. Raymond Cotillard, oh la gueule, mon Dieu. Il est associé à un test d'intelligence. Que signifie le sigle QI? Les gars. QI. Hein? Un mot commençant par la lettre. 15 secondes pour dire QI. C'est une question de QI. Quelle est l'initiale du prénom de la chanteuse qui fait rien que des bêtises en 85? Stéphane. S. Trop tard. Elias. S. C'est... Je sais pas, il l'a dit. L'adore. Bien joué. Je sais pas, il était chez là. Bien joué. Il a rien compris. Ah, on est bien fatigué, hein. Tu cuis. Bah, cuis. Ah, tu vas devoir rentrer, de toute façon, toi. Ah là, j'avais dit minuit... un peu dépassé. Bah ouais, mais bon. Mais bon, quelle soirée. Quand on s'amuse. Quelle soirée exceptionnelle, putain. J'ai l'air beaux yeux. Ah, on se refera la soirée inconnue là. Incognito. Ouais, quoi, il y en a plein qu'on a pas vu. Bah, il y en a pas mal qu'on a pas vu après, voilà quoi. Bon, les amis, on va se quitter là-dessus, je pense. Hein. Ah ouais, déjà 2h30. 2h30. Oh là. Eh ben. Quoi? À presque 5 heures d'émission, vieux. Et mardi, opening d'ailleurs, opening de Booster. Et si on va ouvrir ça. Attends, Pokémon ? Ouais. En avant-première. En avant-première. Oh, qu'est-ce qu'il a de beau, putain. Pas sorti ça encore. Hein. C'est pas sorti. Exclusivité mondiale, hein. Tiens. On va partir. Tu peux peut-être avoir une carte, je sais pas la cote. C'est moi qui l'ouvre. Bah oui. Ah putain. J'ai pas la cote, puisque en fait, si c'est pas sorti encore. Je te montre comment on fait. Bon, déjà, je vais m'approcher pour que les gens du chat voient. Mais qu'est-ce que tu fous ? J'avais les mains qui glissent. Il met ça avec les dents. Alors comment ça marche, vieux? Regarde, les deux dernières cartes, tu les enlèves comme ça. Attends, les deux dernières cartes. Là, j'ouvre. Les deux dernières, là, tu les dégages. Ouais. Dégage. Après, je m'approche un petit peu. T'es sûr, je les dégage, ok. Ouais, tu les dégages, regarde, je me mets comme ça. Vas-y, vieux. Les premières cartes, c'est de la Big Derms. Le setup est immonde pour faire ça. Ça fait pas le focus. T'as une trop grosse bite, ça fait le focus dessus, je pense. Bah, ça aspire tout là. Hein. Elle nique sa mère. Hop. C'est les deux dernières cartes qui sont. Les trois dernières cartes qui sont intéressantes. Donc, tu vas jusqu'aux trois dernières cartes. Regarde. Et là, attention. Non, c'est une blague, je l'ai déjà eu. Attends, tu montes juste les trois dernières. Hop, et c'est de la merde. Ouais, okay. c'est une zinzinulerie, je l'ai déjà eu. Non mais attends, qu'est-ce que tu fous? Oh là là là, on dirait un enfant qui sait pas servir ses mains. Attends. Vas-y, stop. Allez, et là je montre. À partir de là. Ouais. Ouais, de la Big Derms. Oh, Elector. Elector, mec. Celle qui boit. Okay, regarde. Quoi, Elector? Elector. Tu connais Elector? Mais non. Ça vaut rien. J'allais dire putain, ça y est, on est riche. Voilà, puis sa mère. Bon. Et ça, tu vois, c'est une carte spéciale, tu la vois, tu comprends pourquoi c'est une carte spéciale. Parce qu'elle est refaite. Ouais, elle pas des hologrammes. Non, mais elle prend tout l'écran, tu vois, un peu. Ah, par oui, rapport à une carte par normale. Rapport à ça, où ça c'est coupé là. Ouais, ah, c'est stylé. Ça vaut combien ça? Oh, je pense que ça vaudra peut-être 10 balles. C'est bien. Bon, c'est ok, tiers. Je sais pas, après, c'est pas sorti encore, donc voilà. Le trou au cul de Genius. Ah, t'as un trou au cul aussi? Ah putain, c'est vrai. Tu vois? Non, mais montre pas ton cul. Ah oui. Mais non. Ah oui, si, ah si, putain, vraiment. Tends-toi de mon côté. Mais non, c'est pas un trou au cul. Ah si, c'est ton cul, ça. C'est vrai? Si, allez. Ah, putain, allez, assieds-toi.
Putain, incroyable. Oui, faut, c'est la dernière fois que tu mets celui-là. Je change. Ouais, oui, là, c'est une invitation. Tout explose. J'ai jeté mon caleçon aujourd'hui. J'ai jeté ça. Non, mais c'est vrai. Explose. Trop de masse musculaire. Il met pas de sous-vêtements. Non, j'ai pas de calbar. Ah, t'es en commando là. Ah, j'ai pas de calbar du tout. C'est pour ça là, ça ouais, c'est du monde dit là. Bah. C'est du monde dit là-dessus. Ouais. Ok. Et j'ai bien fait parce que vu la chaleur. T'es en bercouille. Putain, c'est en commando, mais ça doit ouais. coller, non hein. Ça doit coller. Non, parce qu'en fait, c'est un pantalon, c'est un truc tissu d'été. Un truc tissu d'été, non. C'est... Mais ça se balade pas, genre. Ah bah si, mais bon, si tu veux, ça respire quoi. En fait, c'est fait pour être porté aussi sans calbar. C'est ça que j'ai mis ça. Et je savais pas que j'avais un trou. D'accord. Bon, bah sur ce, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain. Ciao, Bidi Bye. Ciao. Capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Tu es capable d'accomplir de grandes choses.